Daniel Cohn-Bendit se tornou para o mundo um marco das revoltas de 68 em Paris. O homem que escreveu Nós que amávamos tanto a Revolução, hoje dedica sua paixão à defesa do meio ambiente. Se em 68 ele quis mudar o mundo, hoje na década de 90, ele acredita que mudar o mundo não é um grande problema. Voyez-vous quelque chose de semblable à la fièvre révolutionnaire de 68 aujourd'hui? Non, visiblement, disons que les expressions d'opposition politique, de refus d'un certain système, de refus d'une politique, trouvent d'autres canaux que ce qui s'est passé en 68. Les révoltes de la fin des années 60, dans tous les pays d'abord, étaient liées au contexte historique, au contexte général de l'Europe et même du monde, puisqu'il y avait les États-Unis, de cette époque. Aujourd'hui, nous avons un refus de la politique, d'un côté d'une partie de la jeunesse, par exemple, ou une expression politique canalisée par des groupes tels que les Verts, etc. Mais la révolution, c'était votre mot d'ordre en 68. Existe-t-il aujourd'hui cette idée de révolution? Je crois que avec l'effondrement du socialisme réel, l'idée de révolution a pris un certain, non pas un coup de vieux, mais disons qu'elle a pris un coup sur la tête, puisque la révolution, c'est-à-dire une alternative radicale à ce type de système que nous connaissons aujourd'hui, pose la question de l'alternative, et cette alternative justement est difficilement visible aujourd'hui après l'effondrement de toutes les expériences de par le monde. Et alors la jeunesse aujourd'hui est contre qui? La jeunesse, elle est d'abord préoccupée par son avenir, c'est-à-dire qu'elle ne se définit pas contre tellement quelque chose, elle se définit par une peur de l'avenir, que ce soit le chômage, que ce soit l'environnement, que ce soit des différents problèmes qui fait peur. Et je crois que c'est ça la définition et le problème fondamental et central de la jeunesse, c'est la peur face à l'avenir. Mais existe-t-il une contre-culture? Il existe une culture de la jeunesse. Ce n'est pas une contre-culture dans le sens simplement où c'est toujours penser en alternative au système. Le système, c'est ça, si vous voulez, depuis la fin des années 60, a très bien compris qu'il ne faut pas formuler un projet unique. Donc la contre-culture, si vous voulez, fait partie du système aujourd'hui. Tout fait partie de ce système complexe qu'est notre société. Et croyez-vous que la jeunesse est plus individualiste? Elle est individuellement préoccupée. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus individuelle. Je crois qu'elle a, une grande majorité de la jeunesse a un grand élan humanitaire, elle a un cœur humanitaire, et ce qui si vous voulez, le contraire d'un individualisme égoïste. Mais en même temps, elle recherche ses solutions pour sa vie dans des projets privés individuels. C'est ce qui la fait paraître plus individuelle, individualiste, que la génération des années 60, qui, elle, avait des projets collectifs, des grands projets historiques collectifs, qui se sont effondrés depuis 20 ans. Donc, c'est difficile d'avoir un projet historique collectif aujourd'hui. Alors, c'est une époque sans idéologie? Non, parce que déjà, le sans idéologie, c'est une idéologie. Donc, c'est... Oui, c'est... c'est, c'est
c'est difficile. Je crois qu'il y a l'idéologie du libéralisme, il y a l'idéologie de la société de marché, il y a l'idéologie du vainqueur, de celui qui arrive, qui gagne, etc. Mais disons, c'est les youpis, les vainqueurs. Les youpis, c'est les vainqueurs. Oui, on perd. Quand il y a un grand krach boursier, les youpis, ils perdent. On n'est pas toujours du côté des gagnants, même quand on est youpi. Mais tout ça veut dire que il n'y a pas de grand projet collectif. Il n'y a pas un grand projet historique pour faire avancer l'histoire. Et en ça, c'est la fin des grandes histoires collectives, des grandes épopées de pensée, l'histoire comme une épopée collective, un futur collectif. C'est ce qui nous fait dire que c'est la fin des idéologies. Moi, je dirais plutôt que c'est la fin des grands espoirs collectifs. Comment serait devenu le monde si votre révolution avait réussi? Je ne sais pas. Ça, c'est... Je crois que il ne faut pas faire l'erreur de croire que le monde aurait changé du jour au lendemain si, disons... les structures politiques avaient changé. Je dis que nous avons gagné. Le monde est comme il est aujourd'hui parce que nous avons réussi. Politiquement, Politiquement. Oui, mais on a gagné peut-être socialement. Culturellement. Oui, socialement. Enfin, culturellement, dans le sens où les modes de vie ont été complètement transformés des années 60 pendant toutes les années 70. Et le type de société que nous vivons aujourd'hui, mais pas seulement en France ou en Allemagne ou aux États-Unis, même le Brésil et tout ça a été touché par ce type de mouvement, a complètement changé les rapports de la société face aux individus, le rôle des hommes, des femmes, la remise en question de toute une conception de la vie. Et c'est pour ça que je dis que de me poser la question qu'aurait-il changé si d'autres hommes politiques étaient arrivés au pouvoir, c'est ça la question, parce que socialement, culturellement, nous avons gagné. Je ne sais pas, il y aurait peut-être eu un peu plus d'égalité sociale, mais un peu plus de folie aussi, donc c'est difficile à juger. Quel genre de folie? Quelle folie? Je crois qu'effectivement, le danger du type de mouvement tel que nous l'exprimions en 68, c'est que nous voulions à tout prix le bien-être pour tout le monde. Et c'est toujours dangereux quand un homme politique arrive au pouvoir qui veut le bien-être pour tout le monde. Parce qu'il est obligé alors, il ne voit plus les contradictions à l'intérieur de la société. Il dit, mais enfin, moi je veux le bien pour tout le monde et ça ne fonctionne pas, les gens n'acceptent pas. C'est-à-dire d'intégrer dans un processus de changement révolutionnaire toute la dimension et la nécessité de la démocratie, c'est très très difficile pour des hommes politiques, disons, d'un type révolutionnaire traditionnel. Qu'est-ce qu'il reste de vos idéaux de mai 68? Il reste pour moi, enfin il reste toute une dimension que je ne peux pas me satisfaire d'une société qui dit chacun pour soi, qui dit voilà, nous vivons l'époque du libéralisme, de l'individualisme et c'est comme ça que le meilleur gagne. Je crois que, si vous voulez, c'était d'un côté. D'un autre côté, il reste toute une idée, un attachement profond à la liberté, aussi individuelle, ce qui paraît en contradiction, mais c'est-à-dire que chacun ait la possibilité de s'exprimer et de vivre le type de vie qu'il veut vivre individuellement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contraintes idéologiques, il faut vivre comme ça, il faut faire ceci, mais que chacun trouve, dans la société, les possibilités d'exprimer ce qu'il a comme pulsion émotionnelle dans lui-même. Tout ça, ça reste pour moi, si vous voulez, les idées majeures qui me font avancer. Est devenu Danny le Vert. Et qu'est-ce que c'est l'écologie pour vous aujourd'hui? Je ne suis pas Danny le Vert. Ce n'est pas parce que je fais partie maintenant d'un parti écologiste
que je suis le représentant de l'écologie. Si vous voulez, je me bats dans le mouvement écologiste sur des tas de problèmes, mais je ne suis pas le grand spécialiste de l'environnement et de l'écologie, et je ne joue pas non plus au grand spécialiste de l'environnement. J'ai compris rationnellement que le mode de production tel qu'il s'est développé depuis une trentaine d'années a un côté absolument négatif qui est le début de la destruction de la planète à tous les niveaux. Je vais vous faire maintenant le petit speech sur la forêt d'Amazonie pour parler du Brésil. Mais si vous voyez les grandes villes, que ce soit Rio, que ce soit São Paulo, que ce soit Paris ou que ce soit New York, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un mode de vie qui fait qu'il y a une aliénation totale entre l'homme et la nature. Et il faut retrouver non pas un mode de vie naturel, le train a dépassé ce stade, mais il faut retrouver un nouveau rapport entre l'homme et la nature, et c'est ça fondamentalement pour moi l'écologie. Et comment peut-on concilier le désir de domination des hommes avec la préservation de la nature? Comment peut-on concilier? C'est d'abord que l'homme se rende conscient qu'il a ce désir et que ce désir lamine sa propre possibilité de vie. Si vous détruisez le terrain sur lequel vous vivez, vous pouvez gagner contre la nature, mais vous avez perdu parce que vous allez mourir. Je veux dire, si on détruit la couche d'ozone, si on a un effet de serre par le réchauffement de l'atmosphère et qu'on désertifie la moitié de la planète, je ne vois pas à quoi ça va nous avancer. Donc je crois qu'aujourd'hui, le désir ou l'envie de l'être humain de dominer la nature se trouve automatiquement limité par le désir de l'être humain de survivre. Et le désir de survie aujourd'hui, c'est justement de retrouver un rapport à la nature qui n'est pas simplement un rapport de domination. Est-il vraiment possible de concilier la nécessité du progrès avec la préservation de la nature? Ben écoutez, ça c'est la question fondamentale de la fin de ce siècle. Alors si je vous réponds maintenant en une demi-heure ou en 10 minutes, je vais vous dire évidemment que c'est possible puisque c'est mon combat politique, mais dans votre question, le doute qu'exprime votre question a quelque chose de justifié. Je crois qu'effectivement dans ce combat très difficile, il y a une irrationalité humaine, une irrationalité de l'homme qui a une tendance suicidaire. Et tout le problème, c'est de savoir si nous pouvons faire rentrer dans le discours politico-social ambiant une certaine rationalité en disant, au-delà de grands combats idéologiques, et qu'est-ce qu'on peut trouver un programme minimum commun d'autoconservation de l'espèce. Et si on n'arrive pas à ce niveau, eh bien effectivement, il y a le problème du progrès va devenir le problème de la destruction de la base du progrès. Si vous voulez, on le voit aujourd'hui vraiment. Je vous donne un exemple très simple. Le progrès a amené dans nos sociétés que tout le monde, quand il va au WC, utilise du papier hygiénique. Si toutes les sociétés mondiales avaient la même idée que quand on va au WC, on a besoin de papier hygiénique, c'est une catastrophe écologique. Pour trouver tout le papier. Donc, je veux dire, ça paraît idiot. Ça veut dire que, vous voyez, pour ces choses comme ça, on doit repenser un certain type de mode de vie et on ne doit pas penser que ce qui est valable pour ici doit être valable pour je ne sais pas où. Donc, cet exemple qui paraît toujours idiot est un exemple concret qui dit, si tout le monde, dans le monde, vu le développement, si on pense progrès, vu le développement du nombre de personnes qui vivent sur Terre, doit avoir non seulement une voiture, mais toute famille deux voitures, ben, vous avez un monde invivable. Ça vous fait 9 milliards de personnes, on dit 10 milliards, disons, à la fin de ce siècle, au début du siècle, ça fait 20 milliards de voitures,
veux dire, c'est invivable, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, de deux choses l'une, où on dit le progrès aujourd'hui, c'est pas seulement avoir une voiture, ça veut dire que le progrès, c'est une possibilité de mobilité sans que ça soit la mobilité individuelle par la voiture. Et vous ne pouvez pas continuer à Rio, à Paris, à Francfort, à Sao Paulo, continuer à développer une civilisation de la voiture, parce que vous avez des voitures, mais vous ne pouvez plus vivre. Les villes deviennent invivables. Et je crois que ça, les gens commencent à le comprendre vraiment. Alors, dans cette idée, aujourd'hui, il faut prohibir. Ça, non, c'est... non. Comment... Alors là, c'est... là vous me demandez une autre question. Vous me dites, est-ce qu'il faut interdire des choses? Ça, c'est le grand problème, si vous voulez, de débat de société aujourd'hui. C'est comment changer le cours des choses dans un discours démocratique. C'est-à-dire pas d'imposer en haut, pas d'un État tout-puissant qui dit voilà comment ce qu'il faut faire. Donc il faut qu'il y ait un changement des mentalités. Et c'est ça, si vous voulez, un peu le pari démocratique que nous devons faire aujourd'hui. C'est parier sur la rationalité de certaines propositions, d'un combat politique qui fait que, lentement, les gens se comportent autrement, développent d'autres désirs, sont capables de faire, non pas marche arrière, mais de changer leur rythme de vie. Parce que toute l'idée, si vous voulez, du programme écologique, c'est pas tellement, c'est faux de dire on veut revenir en arrière. On ne revient jamais en arrière. Le problème, est-ce qu'on peut changer de telle manière le rythme de vie que dans une journée, si vous voulez, on n'est pas obligé de travailler pendant 8 heures, de consommer pendant 8 heures, de dormir pendant 3 heures si on a de la chance, ou 5 ou 6 ou 7, mais de retrouver un certain type de vie où le loisir, où l'occupation des gens entre eux-mêmes prennent une place de plus en plus importante. Et ça, ça serait un progrès. C'est-à-dire de changer complètement aussi la notion de progrès, de ne pas lier simplement le progrès à la consommation. Trouvez-vous que le Brésil gère bien sa forêt? C'est toujours difficile de l'extérieur de donner des leçons. Je crois que le problème, disons, il y a des gens au Brésil qui ont de très bonnes idées. Je crois que la société brésilienne dans son ensemble gère mal sa forêt. La société brésilienne dans son ensemble, comme la société française, gère mal son environnement. La société brésilienne a un mode, un idéal de société qui est en désaccord, d'après moi, avec, si vous voulez, la réalité, l'ambiance brésilienne. Et si vous prenez le dernier exemple de l'accident à Belo Horizonte, c'est typique, si vous voulez, d'une société qui avance, et qui tout d'un coup s'aperçoit qu'avec un effondrement, si vous voulez prendre l'image, d'une partie de la Terre, engouffre des tas de personnes. Le développement brésilien engouffre des tas de personnes qu'on ne retrouve jamais. Logiquement, quel est le pire crime que le Brésil commet? Il n'y en a pas un. Je veux dire, c'est le pire crime, je crois, c'est le développement de l'urbanisation, c'est-à-dire la désertification humaine de la campagne, le rassemblement de tout le monde à la ville, donc la non-gestion, en fait, de la campagne. Deuxièmement, on a dit le traitement de la forêt. Et troisièmement, par exemple, le développement de l'énergie sucrière, etc. Donc de ne pas avoir compris de ce qu'on a fait avec la canne à sucre et tout ça pour en faire de l'essence, à condamner toute une partie de l'agriculture, etc. Donc le Brésil, je crois, écologiquement, n'a pas confiance dans ses propres ressources.
que ce soit ses ressources, si vous voulez, écologiques, ses ressources humaines, etc., et plaque ses envies de vie sur un modèle qui lui est qui vient d'ailleurs, qui est un modèle américain. Et ça, c'est une catastrophe écologique. Et quelle serait votre première action pour solutionner le problème écologique au Brésil? Je ferai un détour par le social. Je crois que vous ne trouverez de solution écologique au problème du Brésil que si vous donnez un espoir d'égalité sociale à la grande majorité de la population brésilienne. Si vous gardez ces inégalités sociales telles qu'elles existent, cette impossibilité de vie pour des millions d'enfants, pour des tas de gens qui sont complètement exclus du processus social, vous arriverez difficilement à les convaincre d'avoir un autre rapport avec la nature. Je me rappelle que quand j'étais au Brésil, il y a eu le grand accident à Cubatão, je crois, où l'incendie d'un bidonville qui était pratiquement sur une nappe de gaz ou de pétrole, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le Brésil. C'est-à-dire, les pauvres se mettent là où ils peuvent se mettre, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je crois que, donc, on ne trouvera pas de solution magique au problème écologique du Brésil si on ne met pas ça en égalité avec une solution sociale du problème des gens au Brésil. Comment puniriez-vous les crimes écologiques? Je ne sais pas, si vous voulez, s'il faut d'abord parler de punir. C'est vrai que dans une législation à redéfinir, l'idée de crime écologique, de délit écologique, est une idée juste. Par exemple, moi, je punirais les grandes industries à payer des amendes très très fortes, à financer des tas de programmes sociaux. Je veux dire, le seul langage que l'industrie pétrolière, la grande industrie comprenne, c'est la pénalisation économique qui fait que s'ils ne respectent pas un certain type de règles, ils s'effondrent économiquement. Donc je jouerais à un grand niveau sur, justement, la logique économique capitaliste. Et deuxièmement, je dis qui commet un crime écologique doit le réparer, doit le payer. Et je vous dis que si on faisait payer à toute l'industrie polluante brésilienne les délits de pollution, bon, d'abord, ce serait dramatique communément pour eux, mais très rapidement, il changerait des tas de choses. Et je crois que c'est ce type d'idée qu'il faut développer. Quelle est l'importance de l'éco 92 d'éco, l'importance de la grande. Je suis sceptique. Je suis sceptique devant ces grandes messes internationales. Si tout va bien, nous allons avoir une sensibilisation écologique mondiale avec, en prime, si tout va bien, une responsabilisation des pays développés de dire comment penser l'aide au développement des soi-disant pays moins développés comme le Brésil, qui est quand même un pays développé par rapport à l'Afrique, si vous voulez, ou pas du tout développé comme les pays africains, quelle est l'aide des pays développés pour qu'ils développent un progrès qui ne soit pas en même temps une catastrophe écologique. Et quotidiennement, arrivez-vous à vivre un accord avec vos idées? Ça, c'est vraiment difficile, puisque je ne veux pas apparaître comme le Saint-Esprit, Mère Thérèse, qui toujours fait le bien dans le monde individuellement. Disons que ça aussi, c'est un combat.
Moi aussi, j'utilise la voiture. Moi aussi, quand je dois venir à Paris, je prends l'avion. Moi aussi, j'ai un rythme de vie qui est complètement fou. Quoique j'arrive aussi à complètement casser ce rythme. Mais disons que la mise en, la mise sur pied de mes idées est un combat quotidien. Il faut quotidiennement se poser des questions. On y arrive, on n'y arrive pas. Si on peut, on doit le faire collectivement, etc. C'est avoir une en permanence sous-jacent ou même explicitement avoir une auto-réflexion sur ce qu'on fait. Comment voyez-vous l'évolution de l'unification allemande? Elle est. La situation étant ce qu'elle est devenue, nous avons une Allemagne aujourd'hui. Ça va durer encore longtemps pour que de cette réalité objective devienne une Allemagne subjective. 40 ans de systèmes différents a complètement marqué les gens. Et de créer un système occidental, une société de marché, c'est pas seulement de donner de l'argent aux gens, c'est une culture de vie. Et ça, on le voit aujourd'hui, les gens à l'Est, il y a toujours un mur dans la tête des gens. Il y a toujours un mur psychologico-politique, psychologico-social, qui sépare l'Est de l'Ouest. Et c'est une des grandes questions qui va continuer à marquer l'Allemagne pendant quand même un certain nombre d'années. L'Europe est plus petite que le Brésil. Mais les différences sont plus grandes. En Europe? Oui. Non, non. Alors là, oui. Vraiment, si vous êtes... Moi, j'ai quand même passé 6 mois au Brésil. Si vous êtes dans la forêt à Manaus et vous êtes à Rio le lendemain, la différence est plus grande qu'entre Paris et le Portugal. Oui, mais le Brésil, c'est pas un bon exemple. Non. Parce que c'est pas bien géré. Bon, d'accord. Est-ce que vous croyez que c'est facile de gérer les États-Unis? De gérer les différences aux États-Unis? De définir une politique qui soit une politique qui convienne de Washington à la Californie, en passant par le Sud, le Nord, le Michigan et tout ça? C'est extrêmement compliqué de gérer les différences européennes, mais je crois que là, le marché, la réalité en fait de l'économie fait que l'Europe est déjà une réalité indépassable. Quel est le système politique idéal? Aucun. Ça n'existe pas. Je crois que c'est alors là vraiment... L'idée fondamentale pour laquelle il faut se battre, c'est l'idée de la démocratie. C'est-à-dire, en fait, quel est le type de société qui amène le plus de démocratie et d'égalité dans une société. Et je crois que le grand danger après l'effondrement du socialisme réel, de l'idée du socialisme, c'est qu'on liquide dans nos sociétés l'idée d'égalité et de solidarité. Donc, sans récupérer le socialisme, il faut récupérer l'idée du social. Corruption et politique vont toujours ensemble. Non et oui. Bon, évidemment, quand on vient du Brésil, on a l'impression que c'est inné vraiment à la politique, puisque la corruption est quand même un grand problème. Et même chez nous... je crois que, si vous voulez, le côté pervers, la médaille négative de la société de marché et du capitalisme, c'est effectivement la corruption. On peut la diminuer. On peut essayer de créer des règles de jeu qui éliminent la corruption. Mais je crois que
il faut être honnête, le danger, la tentation dans un système capitaliste comme le nôtre, c'est effectivement la corruption politique, l'achat des hommes politiques. Il faut en être conscient. Croyez-vous que soit possible de changer le monde par la politique ? Oui, sinon je ferais autre chose. Ça dépend ce qu'on veut dire par changer le monde. Je crois que s'il n'y a pas un changement des mentalités et de la société, on ne changera pas le monde. Mais s'il n'y a pas un changement aussi dans la politique, on ne changera pas le monde non plus. Je veux dire, là, il faut qu'il y ait un mouvement non seulement parallèle, mais qui s'entremêle entre la politique et la société. Et avez-vous récupéré un espace ludique en travaillant avec des enfants ? Disons que ça m'a servi. J'ai travaillé pendant 5-6 ans comme éducateur avec des petits-enfants. Ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a donné une distance émotionnelle face au rythme quand même assez ennuyeux, si vous voulez, de la politique. J'ai toujours eu un rapport beaucoup plus direct aux gens, et ça vient du rapport avec les enfants. Alors maintenant, effectivement, je ne travaille plus avec des enfants, mais comme j'ai un fils qui a 20 mois maintenant, je l'emmène toujours, souvent au bureau, je l'emmène partout. Je crois qu'il faut effectivement intégrer ce rapport immédiat qu'on a avec les enfants dans la vie quotidienne. Il faut refuser la séparation. Moi, c'est l'homme au bureau qui fait ceci, cela, et puis là, c'est le papa qui, 3 minutes le soir, caresse ses enfants, et puis c'est tout. Avez-vous la foi ? Non, moi je ne suis pas un croyant, moi. Je suis. Pas que je sois trop rationnel pour ça, mais je ne cherche pas l'illumination par l'enfant, etc. Au contraire, non, je crois effectivement que la force des rapports qu'un adulte puisse avoir avec un enfant, que ce soit son propre enfant ou dans un jardin d'enfants, c'est que. L'enfant nous oblige à avoir une relation dans l'immédiat, dans l'actuel. On ne peut pas, avec un enfant, dire « ça, on l'a fait hier » ou « ça, ça sera demain » parce que ce n'est pas le rythme de compréhension et d'acceptation de l'enfant. L'enfant veut vivre dans l'instant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que les adultes ont tendance, souvent, à exclure le présent pour un avenir ou à cause d'un passé et sont complètement déchirés face au présent. Mais croyez-vous encore que vous pouvez changer le monde ? Oui. Oui. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème. Mais je crois qu'effectivement... non seulement on peut changer le monde, ça c'est de l'homme, mais je crois qu'on doit changer le monde. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, je sais, et ça si vous voulez, c'est ma relation très forte avec 68. Moi j'ai vécu un certain type de 68, où 2 mois avant, quand on me disait « mais jamais il y aura ceci ou cela en France », j'étais pris pour un idiot ou un fou quand je dis « vous allez voir, il va y avoir une grande crise en France ». Et puis tout d'un coup, il y a eu cette crise. Donc c'est là où je me suis dit, malgré les apparences, on peut vraiment tourner soi-même la vis de l'histoire. On n'est pas toujours l'objet de l'histoire. Et donc, je suis intimement, profondément persuadé qu'on peut changer le monde. Et optimiste. Et fondamentalement optimiste, oui. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas un combat perdu, j'ai pas... Je veux dire, c'est ça le danger souvent des écologistes, c'est qu'ils sont tristes, puisqu'ils mènent un combat quand même qui n'est pas joyeux, hein, la destruction de la nature, de l'homme, l'inégalité sociale, etc. Mais moi, je crois qu'effectivement, d'abord, de mener ce type de combat, on en profite individuellement. Je veux dire, ça structure une vie, ça rend la vie plus agréable. Hein, c'est quand même... on est plus ouvert au monde si on a envie de le changer.
si on le subit toujours, on devient déprimé, on devient triste. Donc, moi, je suis non seulement objectivement optimiste, mais subjectivement, j'ai l'impression que même avec des revers et tout ça, les choses avancent. Les années 60, l'amour libre. Les années 90, le sida. Comment expliquez-vous ce renversement? Ben, d'abord par le sida. Je veux dire que... alors moi, je ne vais pas expliquer le sida. Ça, je ne suis pas le professeur Montagnier, ni un pas. Je crois qu'effectivement, pour des jeunes aujourd'hui, de vivre la sexualité, c'est plus compliqué que pour nous. Nous, si vous voulez, on est la génération de la pilule. C'est-à-dire que la grande opposition, la grande rupture avec la génération d'avant, c'est qu'effectivement, la liberté dans et par la sexualité a été rendue possible par la pilule. A été rendue possible parce par le fait qu'effectivement, la sexualité était devenue non plus simplement, ce que ça n'a jamais été, mais à cause des problèmes biologiques, un problème de reproduction ou lié à la reproduction, c'était devenu, grâce à la pilule, un terrain de jeu et de plaisir. Aujourd'hui, je crois qu'il y a cette volonté la même chez les gens, mais que ce plaisir est toujours limité par la peur du sida. Et donc, tant qu'il y aura le sida, tant qu'il y a le sida, il faut réinventer ou retrouver des formes de plaisir liées à la protection contre le sida. Donc, et je crois que le grand danger, si vous voulez, c'est que, à la remorque du sida, toutes les morales castratrices, si vous voulez, reprennent du terrain qu'ils avaient perdu dans les années 60. Et c'est ça un peu, c'est-à-dire que les églises de tous bords, les morales de tous bords essayent d'utiliser le sida pour discipliner... Contrôler la société. Discipliner, contrôler la société. De la vie communautaire à la vie de couple, en famille, quelles sont pour vous les valeurs qui ont changé? Moi, ce n'est pas une valeur. Hein. Moi, j'ai vécu pendant 20 ans en communauté et je n'avais jamais vécu seul avec une femme. Et je dis, il faut tout... Quelle est votre situation aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis avec ma compagne qui a un fils, avec un autre, qui a 13 ans, et nous, on a ensemble un enfant. Nous vivons donc... Mais ce n'est pas une valeur en soi pour moi. Je veux dire, ce n'est pas la valeur qu'il faut ou je veux vivre. Si, je veux vivre comme ça, mais pas parce que je trouve que c'est une meilleure valeur que la communauté. Après 20 ans de communauté, après des tas d'expériences, cette possibilité de vie s'est essoufflée pour moi momentanément. Et j'essaye, parce que je dis qu'il faut tout essayer, de vivre maintenant à deux ou avec des enfants. Mais je me vois très bien dans quelques années reprendre la vie en communauté. Êtes-vous passé par l'expérience de la psychanalyse? Non, je joue au football, je n'ai pas besoin de psychanalyse. Ah oui, vous pensez toute seule? Non, ce n'est pas ça, c'est que tous les samedis, non, c'est très sérieux ce que je dis, tous les samedis depuis 30 ans, je joue au football avec des gens que je connais depuis longtemps et on crie, on court, on c'est crying out, si on veut, qui coûte moins cher que la psychanalyse. Quel est votre rêve le plus cher? Mon rêve le plus cher? Oh, si, un des rêves quand même les plus importants, ça doit être une fois dans ma vie d'être quand même pendant un certain temps reporter sportif. Ah oui? Oui, oui. Quelles sont vos prévisions pour l'an 2000? Alors là, vraiment, ça dépend de tellement de choses. Disons que en l'an 2000... par c'est exemple, pas loin. Oh, c'est quand même 8 ans, c'est beaucoup. Non, 7 ans. Ouais, 7-8 ans. Par exemple, on parlera de l'Europe avec une telle
ça serait une telle réalité quotidienne qu'on se dira, mais comment on a pu mettre en doute, il y a 8 ou 10 ans, que ceci n'existerait pas. Sur l'inégalité dans le monde, là j'avoue que de dire des prévisions, je peux dire que j'espère qu'on n'en sera plus à ce qu'on, au niveau qu'il existe aujourd'hui. Et ça c'est plus un espoir pour l'an 2000 que vraiment une prévision, parce que, disons, le combat est encore dur. En général, disons, je suis plutôt optimiste et je crois que les comportements des gens vont s'améliorer, vont changer et permettre plus d'égalité, un autre rapport avec la nature et plus de démocratie de par le monde. Une société mieux. Une société plus juste, oui. Merci, Randy. Merci pour votre entrevue. C'est un plaisir. Merci.